Coucou les copains, on est ensemble là pour les énergies du week-end. Donc petite guidance, vous voyez si ça vous parle, vous prenez pas si c'est pas le cas. On va aller regarder les énergies déjà générales pour le week-end qui s'annonce. Et c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est tombé en paquet. Alors attends, je vais faire en sorte que tu vois quand même. Ça va être mieux. Voilà. Un petit paquet sympa. Il est sympa. En plus, on a le dos de deck de la réussite là qui s'est mis ici. Alors, le dos de deck de la réussite peut nous montrer qu'il va y avoir des retombées du week-end. Il va se passer des choses. En fait, ça va générer quelque chose. C'est marrant parce qu'il me semble quand même que la guidance du matin, c'était émergence. Il y avait une sorte d'émergence de quelque chose. De cette émergence, peut-être que ce week-end, vous allez récolter des fruits. L'idée ici, c'est que au fond de vous, moi ce que j'entends ici, c'est au fond de vous, quelque chose est en train de basculer, quelque chose est en train de bouger. Quelque chose qui peut-être était comme, comme mouvant depuis un moment. Mais tu sais, c'est comme, comment dire, t'as un truc qui est un peu en déséquilibre, tu sens que c'est la statue qui va tomber au bout d'un moment, mais il faut qu'elle prenne un certain rythme avant de basculer complètement, quoi. Donc, en fait, y a une notion de... Ça fait un moment que c'était sur le point de bascule, mais là, le vent souffle, les gars. Donc, c'est pour ça aussi qu'il va y avoir de la récolte. Tu sais, ce truc d'émergence là, qui va générer quelque chose. Donc, au fond de vous, ça basculait. Et puis, tout à coup, le fait que quelque chose bascule et dans le même temps, il y a autre chose qui s'écroule, visiblement, c'est ce que je ressens. Mais il y a vraiment ce truc qui cède en vous et qui fait bam. Et ce que j'ai vu ici, c'est, tu sais, t'imagines le truc qui tombe, mais qui est balèze, hein, qui est lourd, hein, qui tombe. Donc, c'est que t'as fini par céder, il y a quelque chose qui s'enclenche chez toi. Et au moment où ça touche le sol, t'as la poussière qui... Ça fait une onde de choc, en fait. Et cette onde de choc, elle est là avec cette carte de l'énergie. Ça bouscule énormément. T'as tous tes atomes, t'as tous tes trucs qui sont en train de se mettre en activité comme ça. Pour autant, il va falloir juste un petit peu de temps pour comprendre quoi faire de cette énergie. Il y a une notion ici de « Oulala, putain, je sais pas où je vais, je sais pas ce qui se passe, my God. » Mon Dieu, tu vois, genre « Oh my God. » ça y est, j'ai basculé, ok, mais je fais quoi ? Et je fais quoi ? Peut-être que tu vas pas forcément te dire tout de suite ce que tu vas faire, tu sais peut-être même pas exactement comment l'exprimer, ni comment le comprendre, ni comment le voir totalement, mais tu sais que ça... C'est comme un jackpot du loto. Tu sais que ce mouvement-là, il enchaîne un truc positif pour toi. D'accord ? En plus, tu l'as, la confirmation que... Ah, c'est parti. T'as secoué le cocotier, là. T'as secoué le bordel. Ça va tomber. Ça va redescendre. Sympa. Il est sympa, ce week-end. Alors, concrètement, dans la matière... de bâton. Empereur. On aime cette coupe. On aime cette coupe parce que qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle veut dire que on est sûr de soi. On est peut-être un peu perdu, mais on s'est jamais senti aussi solide. On s'est jamais senti aussi fier. Il y a une forme de fierté, égotique certes, mais on s'en fout. Les deux sont capables d'avoir un bon ego dans le genre. De se dire, ouais, ok, je suis en place là. En fait, c'est bien ce que je fais. Je suis en train de faire un truc bien pour moi. Je le sens. Alors, la roue tourne, tu m'étonnes, j'ai envie de dire. Là, c'est juste la confirmation de ce que le Nadir a bien voulu nous dire. Allez, encore arcane majeur, tempérance, vous inquiétez pas. Ça tourne, ça vire, ça y va, il y a du changement en perspective, ça y va le changement là. C'est dans les tuyaux très forts.
quoi qu'il arrive, tu vas rester centré. Quoi qu'il arrive, c'est peut-être le bordel. Tu ne sais pas encore comment tout ça, ça va se reposer dans la matière. Mais ça va s'améliorer, ça va s'équilibrer. Ça va... Tu vas trouver l'alignement en toi pour faire en sorte que ça avance correctement. As de coupe, 8 de bâton, la vache, et la lune. Donc, il y a quand même 1, 2, 3 arcanes majeures. Les sentiments au centre, quand même, il y a une ouverture de cœur rapide, très rapide. Un truc qui surprend, un truc qui ça pousse dans les retranchements. C'est ça peut faire un peu remonter des petites peurs, des petites angoisses, des émotions un peu enfouies. Mais c'est ok, c'est cool. Ça vient chercher à l'intérieur de vous. Hein. Oh, 4 de bâton. Mais c'est quoi ce week-end de malade? Et 3 de deniers en dos de deck. Bon, il y en a qui vont vivre des week-ends somptueux. Eh ben moi, je vous dis cool. C'est cool, hein. Franchement, profitez-en parce que c'est très, très beau. Il y a une jolie idée de la peur de l'engagement. Une petite peur de l'engagement, mais l'engagement est là, il fait du bien et on est content. Et on a envie de faire les choses ensemble avec le 3 de denier. Concrètement, dans la matière, il y a des gens ici qui vont se voir peut-être proposer des choses très sympas. Très sympas. Et on se laisse aller, quoi. Il y a comme un « Allez, je sais, j'y vais, je me laisse aller ». Et c'est riche en émotions et c'est riche en sensations et on s'en prend plein la poire, les mirettes, le corps, tout ça, mais ça fait du bien, c'est-à-dire c'est positif, c'est des émotions qui sont chouettes, donc c'est très très joli là, vraiment. Pour certains, il y a un week-end de folie, bien sympathique, qui ouvre des perspectives amoureuses très belles, même si on ne sait pas trop encore comment ça va se poser, ça y va, voilà. Donc, écoutez, ceux à qui ça parle, je vous souhaite un excellent week-end, mais je souhaite un excellent week-end à tout le monde, quoi qu'il arrive. Profitez bien de ce soleil, de tout et tout, enfin voilà, et de tout ce qui vous arrive de bien joli dans vos vies, et soyez dans la gratitude de ça, bien évidemment. Je vous embrasse fort, vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour ceux qui veulent des guidances privées ou autres, les contenus du site. Je vous dis à très vite et profitez de votre week-end.